Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. Ça y est donc, on l'attendait tous et il a été annoncé hier soir le tout nouvel iPhone de chez Apple, le SE 2020, le remplaçant de l'iPhone 5SE. On va voir dans cette vidéo la fiche technique complète, les prix. Merci de vous abonner à la chaîne Vision High Tech et c'est parti pour ce tout nouvel iPhone, l'iPhone SE 2020. Salut à tous et bienvenue donc sur la chaîne Vision Hightech, l'annonce était imminente. Apple a donc annoncé hier soir l'arrivée de ce fameux iPhone SE 2020 qui va être très ressemblant à celui-ci qui est donc l'iPhone 8. On va avoir donc des specs très spéciales à moins de 500 euros. Est-ce que cet iPhone à l'intérieur il va y avoir des choses intéressantes Eh bien je pense que oui, pour les précommandes. À partir du 17 avril, 14 heures, vous allez pouvoir commencer à commander cet iPhone en dessous de 500 euros. Et vous allez être livré à partir du 24 avril, si les conditions peuvent le permettre. Alors, au niveau configuration par rapport à cet iPhone, il va y avoir trois capacités différentes 64 Go, 128 Go et 256 Go. Le prix, on va tout de suite parler prix, comme ça, ça sera fait. On va trouver donc le premier iPhone SE 2020, à 489 euros, oui, vous avez bien entendu, Apple a baissé ses prix, Apple diminue et met la barre en dessous des 500 euros, 489 euros, ce qui est plutôt pas trop mal, pour le 128 gigas, on va le trouver à 539 euros, c'est plutôt correct par rapport à ce prix, et vous allez voir justement par rapport à la config, dans ces iPhones, ils n'ont pas été mis au rabais. Il y a quand même pas mal de choses super intéressantes à l'intérieur. Et pour la config de 256 Go, on sera sur un prix de 659 euros. En dessous de 700 euros, avec la plus grosse config. Alors, un des gros avantages de cet iPhone SE, il va préserver son touch ID. Vous allez donc avoir un bouton Home qui va être préservé. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout pour les personnes en situation de handicap, car si vous vous posez la question actuellement pourquoi j'ai des lunettes à l'intérieur et une casquette, sachez que je suis une personne malvoyante, je suis très malvoyant, atteint d'une maladie orpheline rare au niveau de mes yeux, je suis un fou de l'high-tech, j'adore ça et j'aime partager. D'ailleurs, un grand merci, on vient de passer la barre des 41 000 abonnés, un grand pouce bleu pour vous, c'est vraiment très sympathique. On continue. Donc, je vous disais que pour les personnes déficientes visuelles, ce qu'ils vont apprécier dans cet iPhone SE 2020, c'est ce fameux bouton Touch ID. Ce bouton Home, des possibilités de paiement via le Touch ID. Ce bouton qui est cher aux personnes malvoyantes et je peux tout à fait le comprendre. Le tout tactile peut faire peur et au départ, un petit bouton Home, ça permettra aux gens de se lancer sur un iPhone peu cher. On va avoir trois coloris sur ce type d'iPhone. Le rouge, le noir et la couleur blanche. D'ailleurs, le rouge est assez sympathique de ce côté-là. On va quand même trouver la puce, on va quand même trouver la puce bionique A13, celle que l'on retrouve dans l'iPhone 11 Pro. On va avoir une puce super puissante pour un iPhone petit avec une taille d'écran d'ailleurs de 4,7 pouces une gestion de la batterie qui normalement ne va pas décevoir les utilisateurs de cet iPhone puisque cette puce A13 est censée gérer correctement l'intégralité de l'iPhone étant donné que cette puce déjà fonctionne sur l'iPhone 11 Pro Max. Donc cet iPhone SE sera donc équipé de réalité augmentée telle que vous l'avez sur votre iPhone 11 avec une meilleure gestion certainement de la batterie étant donné qu'elle sera équipée de cette fameuse puce A13 Bionique. Alors cet iPhone SE 2020 pèsera donc 148 grammes. Donc on aura vraiment un petit iPhone avec un petit poids. Côté design, Apple n'a rien négligé avec cet iPhone SE 2020. On aura donc un châssis en aluminium et un dos en verre. Cet iPhone SE 2020 aura donc un écran de 4,7 pouces. La dalle sera donc une dalle IPS LCD. On sera quand même sur un écran Retina HD. Avec une résolution de 1334 par 750 à 326 pixels par pouce. Donc, on aura quand même une très bonne résolution. On peut faire confiance à Apple de ce côté-là. Apple nous a jamais déçu avec leur écran. Et là encore, je pense qu'avec cet iPhone SE 2020, on aura un, vraiment un bel iPhone dans les mains. D'ailleurs, si on regarde un peu de plus près, on pourra se positionner avec cet iPhone nouvelle génération entre l'iPhone 5 SE qui était sorti il y a quelque temps et l'iPhone 10R, je pense qu'on ne sera pas du tout déçu par cet iPhone. On n'aura pas un écran Full HD sur cet iPhone donc SE. On aura donc un écran True Tone avec une luminosité rapprochante de l'iPhone 10R. Pour recharger cet iPhone SE, on aura toujours une recharge Lightning. On n'a toujours pas passé le cap du Type C, malheureusement, ça aurait pu être assez sympathique. Et on aura une possibilité de recharge par induction. Le chargeur qui sera dans la boîte sera un chargeur donc 18 watts qui sera capable de recharger votre iPhone de 0% à 50% en une demi-heure, ce qui va vous permettre de gagner 50% de batterie en une demi-heure, ce qui est vraiment pas négligeable du tout. Alors bien sûr, cet iPhone sera livré avec le dernier OS iOS 13. À l'arrière, on va trouver donc un capteur de 12 millions de pixels ainsi qu'à l'avant. À l'arrière, on trouvera un seul capteur photo de 12 millions de pixels avec une stabilisation optique, un zoom numérique x5, équipé de la technologie HDR Smart Photo. Donc, comme les derniers iPhone. Donc, vous allez pouvoir gérer, vous allez pouvoir faire de belles photos. En vidéo, on sera donc sûr de l'enregistrement 4K et la toute nouveauté, ça sera que vous allez pouvoir enregistrer en stéréo, vos vidéos en stéréo, ce qui n'était pas le cas sur l'iPhone 5SE, vous allez pouvoir enregistrer une vidéo en 4K, en 60 images par seconde, et en stéréo, c'est vraiment pas mal du tout. Il préserve donc son bouton Touch ID, son bouton Home, et ça c'est vraiment cool. Il sera donc IPX67, donc il sera immergeable une demi-heure à un mètre sous l'eau, pas plus, mais bon, c'est pas fait pour, ne le testez pas, gardez-le dans votre poche, c'est bien meilleur. Il sera équipé, donc, de sa puce Wi-Fi 6 et de sa puce Bluetooth 5.0. Et vous aurez, donc, à l'intérieur, la possibilité d'avoir une double SIM, une SIM classique que vous pouvez mettre à l'intérieur et activer la eSIM, la fameuse eSIM. Différents opérateurs prennent en compte actuellement. Donc, deux possibilités d'avoir deux comptes différents sur votre iPhone. Voilà pour cette annonce d'hier soir d'Apple. Donc, l'arrivée, donc, de ce fameux iPhone SE 2020. Certains l'appelaient je crois même iPhone 9. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à me le montrer dans la barre des likes. Abonnez-vous. Ça fait plaisir, ça encourage. Alors si j'ai oublié différentes choses, n'hésitez pas à le mettre dans la section commentaires. Et moi je vous dis donc un grand merci d'avoir pris un peu de temps sur ma chaîne. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. High-tech bien sûr. Merci à vous. Bisous à vous tous. Et à bientôt. Salut à tous.